Après la tramontane velue du raid-côtier de Gruissant mardi, la flotte a dû changer ses marques pour courir en stade nautique dans un tout petit vent de sud-est. Ça va être un peu plus fin, il faudra être vigilant, faire bien avancer le bateau et rester la tête cool et calme quoi. On va attendre beaucoup, donc dans un premier temps il va pas falloir cramer trop d'énergie avec le soleil, ça tape fort aujourd'hui et ça va être un point important parce que c'est vrai que ça va être des manches qui vont être faites dans un vent léger, ça peut être traître. Et ce fut traître pour Robin Follin et le team Réseau XIO, pas invité en finale de stade nautique pour la deuxième fois seulement depuis le début de ce tour voilà. Les autres favoris en revanche étaient bien là, et tandis que Lorena Limonade Golf du Morbihan et Peja Flore, les deux leaders du classement général, se marquaient sérieusement à la culotte, Céline Arabie a joué d'inspiration pour signer sa première victoire sur ce tour 2018 devant Team France Jeune et Cheminée Poujoulin. Ça fait 3 ans en tout cas qu'on est qu'Omansail est sur le tour en Diam 24 et qu'on fait de très bonnes choses, de très bons résultats, mais on n'avait pas gagné une journée encore. Donc on avait vraiment un super feeling, on a réussi à prendre des bons départs, on allait vite et on était smooth comme on dit, doux sur le bateau glissait bien. Donc je crois que la victoire aujourd'hui, vraiment elle est méritée et on est super contents. Avant, dernier acte demain à hier avec une question cachée à 4 courses de l'arrivée. Est-ce que Lorena Limonade et Peja Flore, qui ont 30 points d'avance sur le troisième, vont continuer à se marquer? Et si XIO, Lorena Morito ou Céline Arabie, par exemple, en profitent?